a réussi à s'imposer, qui a encore pris le pouvoir en cette rentrée, c'est évidemment Black Sad. Black Sad et ses auteurs, je vous demande de les accueillir et les applaudir, Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. On a un rêve et tu nous donnes envie de faire quelque chose ensemble. On ne savait pas exactement que l'histoire ou quel truc, mais je l'ai montré ses planches à Juanjo et Juanjo apparemment lui a tombé amoureux de cet univers. C'est vrai, j'ai mis quelques temps à lui dire. J'ai adoré cette histoire, donc c'est une histoire contre noir et blanc. J'ai flashé totalement dessus. Et moi, je me suis dit, merde, pourquoi c'est pas moi qui ai inventé ça? Pourquoi c'est pas moi qui ai trouvé cette idée? Ça, c'est la PD que je rêverais de faire toute ma vie. Mais c'est pas grave, je vais échouer par la suite. Au départ, c'était juste envie de faire quelque chose de peu ambitieux, presque pour s'amuser entre nous. Et du coup, le média, allez, on se fait un album. Peut-être. Écoute, c'est pas possible. Tout l'univers de Black Sad était là, tout était là. Le regard du personnage, du chien central en bas, commence déjà à voir le regard de que sera le regard de Sébastien. Bien sûr, parce qu'il fallait un chien perdu. Il y avait beaucoup de jeunes. Il fallait qu'il ait vraiment un air de chien battu. Il fallait qu'il soit un personnage souffrant, un personnage ravagé par la drogue. Et un personnage noir aussi. J'ai essayé des races de chiens, je voyais bien un chien type pointer ou espagnol comme ça, noir, peut-être un peu museau blanc, comme de la chaîne justement. C'est le personnage qui m'a demandé le plus de recherche de toute la série de Black Sad. C'est voilà. Celui-ci. À un moment donné, oui, c'est pour Sébastien aussi, en fait, j'avais fait des caricatures de Snoop Dogg. Pour me dire comment j'intègre un black et un chien, et j'ai pris des photos de Snoopy. Si j'arrive à en tirer quelque chose, j'ai fait Miles Davis aussi. Là au fond, il y avait une race de lévrier, d'un espèce de lévrier qui aurait pu être très, très mince et noir en même temps, mais bon, ça n'était pas trop marquant. Et puis je désespérais, et voilà que je tombe sur une photo d'un boxeur, et je me dis, un boxeur, je sais pas, je ne sais pas trop. J'ai fait ce premier dessin, celui qui est à gauche, et là j'ai vu que j'avais mon personnage. Alain Hérol, l'autre jour, on a fait la réflexion, elle a dit c'est super, parce que le boxeur. Ah, mais il y a du. C'est la chasse de Cabelco. D'accord. Il y a encore un maître d'animalier, on va dire. Qui m'a fait la réflexion, et c'est trop bien trouvé le boxeur. Le boxeur qui a toujours des yeux un peu larmoyants comme ça, ça va trop bien avec le personnage de Sébastien. Donc, on va vous remercier pour nous avoir accordé cet après-midi. Vraiment, merci beaucoup à Juan Guarnido, à Juan Diaz Canales. Notamment de Black Sad, L'Enfer, le Silence, la nouveauté chez Dargaud.